Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un speedrun sur Sonic the Hedgehog 4, épisode 1. Attention, un jeu incroyable, attention. Un jeu très moyen, voire médiocre, un mauvais Sonic, mais j'avais envie de faire un speedrun, c'était surtout pour me faire une base sur les speedruns de Sonic. Je me disais, bon, pourquoi pas commencer par un Sonic vraiment facile à speedrunner. Voilà. Alors, pas si facile que ça, parce que... Vous allez voir que, là, voilà... déjà, ça a chargé très rapidement le début. Logiquement, normalement, on perd 2 secondes par rapport à ce qu'on a eu là, environ. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible, alors. Comment expliquer? C'est parce qu'en fait, j'ai fait un montage... de chaque niveau que j'ai fait en contre-la-montre, donc vous voyez, il y a le contre-la-montre au-dessus, enfin il me semble que c'est pas comme ça à la base dans le jeu. On n'a pas le temps directement comme ça. Quoique, je sais même plus, parce que ça... J'y ai plus touché depuis, hein. La dernière fois que j'y ai touché, c'est quand j'ai fait le speedrun, donc c'était en décembre 2015, donc... voilà. Pour vous dire que bon, depuis j'ai pas trop envie de le refaire ce jeu. Mais voilà, pour beaucoup de raisons, évidemment, il y a eu beaucoup de tests, beaucoup de déceptions sur ce jeu. Bon, j'en parlerai peut-être, mais quand j'aurai vraiment rien à dire, quoi. Donc voilà, là, on peut voir que c'est le contre-la-montre, parce qu'il y a marqué à la fin, nouveau record, tout ça, 53 secondes. Et en fait, j'ai essayé de faire, j'ai monté chaque niveau dans l'ordre en contre-la-montre, voilà. Mais voilà, mais je les ai pas fait, par exemple là, le deuxième niveau que j'ai fait juste après. Ça veut pas forcément dire que je le fais 3 secondes après. J'ai eu plusieurs essais au deuxième niveau. Hein. Plusieurs essais à chaque niveau. Pour faire vraiment une run assez propre quand même. C'est pas un truc de fou non plus, mais on va dire une run plutôt assez propre. Parce que c'est sûr, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps de le faire vraiment à la suite. De faire vraiment un réel speedrun de jeu. Donc voilà, moi... Je le cache pas que c'est, on va dire, un demi-speedrun. Hein. C'est pas comme DuckTales, par exemple, où DuckTales, c'était vraiment un speedrun de fond en comble. Bon, et le jeu, là, je mets à peu près 40 minutes, je crois, à le finir, ce Sonic 4. Alors, c'est pas une énorme importance, finalement, parce que... Voilà, il va y avoir... on est... Voilà. Au pire, on est à 30 secondes près, voilà. On est à 30 secondes près du speedrun. Donc c'est à dire qu'on est à niveau précision quoi. Par rapport au jeu réel, au réel temps de chargement qu'on a dans le jeu. Alors sinon, les espèces de bruits de maracas qu'on entend en fond, ça c'est normal, c'est parce que à l'époque, voilà, j'avais. J'encodais mal mes vidéos, voilà, Sony Vegas Pro, hein, j'étais pour aussi tard le truc maintenant. En 2015, voilà, j'avais un peu de mal quand même encore. Et je compressais trop en fait l'audio. Voilà, je mettais l'audio de base en fait. Alors qu'il faut pas le compresser. De base, il était mis à 130, je crois, kilobits par seconde, une connerie comme ça. Il faut mettre à 192, voilà. C'est le chiffre exact. Faut pas que ça compresse. Faut pas que ça fasse un son dégueulasse. Mais bon, là, le son, ça va, c'est juste que ça fait des maracas par moment quand il y a des percussions. Bon. Et c'est surtout gênant quand c'est sur des jeux assez rythmés, enfin, au niveau de la musique. Si la musique est assez rythmée comme ce Sonic 4, où il y a pas mal de percussions, il y a pas mal de batteries, voilà, les petits... la Mega Drive, là. La Mega Drive style, ça... L'encodage n'aime pas trop ça, quoi. Quand je compresse trop, l'audio. Mais maintenant, voilà, j'encode parfaitement, hein, j'ai plus ce problème, là. Depuis longtemps. En même temps, c'était pas longtemps après, parce que je voyais que c'est surtout sur Sonic 4 que ça se voyait. Sur d'autres jeux, ça se voyait moins, mais voilà, sur Sonic 4, ça se voit à fond. Ça fait des bruits de maracas, quoi. Et c'est aussi en mettant en ligne mes vidéos sur Slayers, voilà, sur les épisodes de Slayers. Sur ma chaîne secondaire, Oliver Plasma, avec la tête de chat, là. Tête de Milka. Et c'est là-dessus que j'ai vu que ça faisait des bruits de maracas. Donc c'était vers 2015-2016 que j'ai vu que c'était bof. Donc je pense que, voilà, c'est vers 2016 que... J'ai commencé à bien encoder, voilà. Encoder parfaitement. Bon, faut savoir aussi que, bon, vu que ça date,
J'avais, à l'époque, j'avais pas encore ma GTX 980, donc c'était sur ma petite 650 Ti. Et bon, voilà, sur Sony 4, ça fait le taf, hein. Le jeu marche très bien. Et j'étais en train de filmer avec Axio. Ça, ça n'a pas changé. Parce que j'avais fait des tests, j'avais essayé avec Shadow Player avant. Et c'était vraiment pas terrible. Il y avait des lags et tout, alors que là, voilà, avec Action, c'est nickel. Mais ça demande plus de puissance, par contre. Mais bon, sur Sonic 4, bon, pas besoin d'avoir un super processeur et une carte graphique de la mort. Hein. Le jeu n'est pas maléfique, hein, vous voyez. Ils ont fait beaucoup de progrès dans l'épisode de porte. Mais voilà. Donc là, voilà, ce que je fais, c'est vraiment pas la suite que je fais les niveaux. Je les ai fait, j'ai fait à peu près ouais, entre 5 et 10 essais à chaque fois pour avoir un truc à peu près convenable. C'est pas un truc de fou, hein, je vous l'avoue que. Bon. Je vous l'avoue que pour DuckTales, bon, je vais peut-être me la péter un petit peu, mais il y avait du skill. Il y avait de la skill, DuckTales. Hein. Parce que bon, j'adore ce jeu. Et donc voilà, le faire en entier, je suis capable de le faire en entier. Alors que Sonic 4, non. Ah oui, là on a des petits lags par contre. Là c'est normal parce que j'ai filmé avec Shadowplay, voilà. Je sais plus pourquoi, c'est que j'avais fait un essai avec Shadowplay. Et c'est vrai qu'avec Shadowplay, on a moins d'input lag. Enfin, ça se ressent pas du tout. Alors qu'Action, ça se ressentait avant. Bon, ça se ressent plus maintenant avec l'ordi que j'ai. Mais voilà, avant... Action demandait quand même pas mal de ressources et même sur Sonic il me semble que ça faisait un petit input lag, donc on voit une petite différence. Bon, c'était pas non plus fou, c'était quand même très très jouable. Hein. C'est pas l'input lag qu'on a sur une console branchée à une télé hein, non plus. Faut pas exagérer. Bon, voilà, là on va avoir quelques petits lags au niveau de la caméra. Bon, quoique là ça a l'air d'aller, c'était vraiment au début que ça laguait un petit peu. Et la vidéo sera en 60 fps, donc vous verrez bien les lags. Hein. Si elle était en 30, ça serait pas visible, je crois. Ah voilà, là il y en a un peu par exemple. Ah voilà, bah, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. J'espère que j'ai été assez clair pour l'histoire du contre-la-montre. C'est un peu compliqué d'expliquer assez simplement ce truc-là. Mais voilà, le seul Sonic que je ferai en speedrun... Enfin non, les seuls Sonic que je ferai, parce qu'il y en aura plusieurs, que je ferai en speedrun de A à Z, ça sera... voilà, parce que Sonic 2, par exemple, je l'ai pas fait de A à Z, hein, j'ai déjà expliqué aussi. Peut-être que je mettrai le lien dans la description si j'y pense, de Sonic 2, du speedrun de Sonic 2. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, faut un peu de vues quand même. J'étais fier quand même de mon speedrun. Même si, voilà, c'est un peu le même principe que ce Sonic 4, c'est-à-dire que j'ai fait les niveaux plusieurs fois. Voilà, je les ai pas fait d'affilée. J'ai fait au moins 5-10 fois, et au bout de la 5e ou la 10e fois, j'avais un truc assez appréciable, voilà, hop, donc je gardais cette prise-là. Voilà, donc speedrunner vraiment un seul niveau, vraiment, véritablement, à l'affilée, c'est beaucoup plus simple, forcément. Là, par exemple, je ferai jamais un speedrun aussi propre de Sonic 4 en faisant tout d'affilée, sauf si vraiment je mets énormément d'heures dessus, que je joue autant que sur Freedom Planet. Voilà, Freedom Planet, voilà, ça c'est le bon exemple. Freedom Planet, je compte le faire de A à Z. Voilà, c'est pour ça que ça met beaucoup de temps à faire. Et je suis vraiment motivé à le faire parce que c'est un jeu que j'ai adoré. Donc même si ça paraît insurmontable et qu'il est bien plus hard que ce Sonic 4 en plus à speedrunner, et ben je suis motivé. Parce qu'il a un level design vraiment qui donne envie et qui est très inspiré. Alors que vous voyez, voilà, Sonic 4 c'est pas un level design de ouf. Hein. C'est surtout pour mettre les bases, on va dire, de mes speedruns des Sonic, quoi. J'avais voulu commencer par quelque chose de tranquille. Et il faut savoir que Sonic 2, je l'ai speedrunné après Sonic 4.
Du coup, voilà, j'ai fait déjà la vidéo de Sonic 2 bien avant. Je l'ai fait pas longtemps après, à la fin du speedrun de Sonic 2, en fait, que j'ai fait dans mon coin. Et après, j'ai commenté par-dessus, comme je le fais là. Je l'ai fait que un mois après, un truc comme ça. Alors que voilà, ce Sonic 4, comme DuckTales... Voilà, vous le savez bien, la vidéo date de quelques années, et je commente bien après. Ah bon, ça c'était... Je sais pas, j'avais oublié après, j'avais d'autres priorités sur la chaîne. L'histoire de Super LoL Saga, par exemple, fin 2016, il me semble que c'était ça. Fin 2016, enfin... Plutôt octobre 2016, il y a eu l'arrivée de Super LoL Saga. Et oui, les premiers épisodes de la saison 1. D'ailleurs, je pense que je compterais refaire la saison 1 de Super LoL Saga, mais via l'application, enfin via le jeu sur 3DS. Et bon, ça sera bien plus tard, ça. Parce que bon, faut aussi que j'ai le capture board. C'est un budget, quand même, aussi. Et bon, faut déjà que je finisse la saison 2 et pas mal d'autres trucs aussi sur la chaîne. D'autres projets, donc bon. Voilà. Ça sera pas avant des années. Est-ce que le capture board existera encore? Voilà. Voilà, à plus d'Eggman. Voilà, les boss sont très rapides. Hein. Ils sont vraiment pas terribles, les boss. Bon, celui-là était un peu mieux. Généralement, les boss sont vraiment pas terribles dans le jeu. Hein. C'est vraiment vite fait. Et c'est surtout des redites, voilà. C'est que des boss repris de... des Sonic Mega Drive. C'est un peu abusé là-dessus. C'est vraiment... c'est la même chose, quoi. Ce Sonic 4, c'est pas véritablement un Sonic 4, quoi. C'est un peu ça le problème. Puis voilà, ils ont complètement abandonné Sonic 4, hein, parce que... à la base... il allait avoir, je pense, un épisode 3, quand même. L'épisode final, avec Knuckles. Et bah finalement, ça s'est pas fait. Parce que bon, ça s'est tellement mal vendu, ça a tellement fait un flop, en fait, le Sonic 4, que... et ils ont pas continué, hein. Puis 15€ pour un jeu qui dure que... ah là là, 1h30 quoi, tout cassé, hein, et la première fois qu'on fait le jeu, ça peut faire mal. Donc oui, voilà, le jeu est très très court, il est beaucoup plus court que DuckTales Remastered. Parce que DuckTales Remastered, la première fois qu'on le fait, on fait à peu près 4-5 heures, voilà, parce qu'il est assez dur, il y a du die and retry un petit peu. Et voilà, moi je le connais tellement par cœur que voilà, je le fais en 43 minutes à peu près. Moins d'une heure, quoi. Et bon, ça veut pas dire que DuckTales est vraiment court. Hein. Il est pas très long, mais il est pas non plus très court. Que Sonic, il est vraiment court par contre. Et pourtant, j'ai mis autant de temps à faire ce Sonic 4 que DuckTales. Et voilà, il n'y a pas trop de technique de glitch en même temps. Hein. Dans DuckTales, j'ai eu recours à des glitchs. Dans Sonic 4, il n'y en a pas. Ou alors, j'en ai pas l'impression. J'ai pas trop suivi les speedruns sur Sonic 4, j'avoue. Contrairement à DuckTales ou Sonic 2. Ouais, et puis quand j'ai dit que j'ai speedrunné Sonic 2, c'est la version Mega Drive. C'est, bon, la version Master System est vraiment pas terrible. Hein. Par contre, Sonic 1 sur Master System est vraiment bien. J'ai hésité à faire en speedrun aussi. Peut-être un jour. Il est pas facile par contre. Après, c'est que je le connais pas aussi bien que par exemple Sonic the Hedgehog sur Game Boy Advance. Lui, je compte le speedrunner, voilà, de A à Z. Sonic Advance, c'est obligé. Très très bon jeu, en plus il y a matière à faire, hein, à faire des trucs assez impressionnants. Petite anecdote, quand je me faisais un peu chier en cours, là, enfin en attendant le prof, bah, je geekais pas mal sur mon smartphone, là, on geekait à plusieurs et tout, et puis on se faisait des temps, là, sur... sur du Trackmania aussi, sur PC. Il n'y avait pas que ça, voilà. Moi, souvent aussi, je speedrunnais dans mon coin. Sonic the Hedgehog... Sonic Advance. Voilà, au lycée. Bon, ça date un petit peu, maintenant. Ah, c'était en... c'était en 2014. À peu près. 2014-2015.
Alors maintenant j'ai plus aucun jeu sur mon smartphone. Alors. Bah, ça sert plus à rien. Quand on a la bagnole. Bon. Ça sert plus à grand chose d'avoir des petits jeux sur son smartphone, quoi. À part si on est pauvre et qu'on n'a pas de console chez soi. Je vois que ça. Donc on aime les jeux gratos qui sont pas terribles. Les jeux Android. Parce que faut le dire, même Rayman, même si pourtant les Rayman étaient assez bons comme jeux Android, et voilà, comparé à des jeux sur console, bah, c'est ridicule. Forcément. Et puis, ouais, généralement, je jouais à des jeux Game Boy Advance sur mon téléphone. J'avais même fait un Fire Emblem. Alors, c'était lequel? Je crois que c'est le premier de la Game Boy Advance où il y a Lynn, il me semble, l'héroïne, Lynn. L-Y-N, un truc comme ça. Son nom. Il était vraiment bien. Et j'avoue que je l'ai pas sur ma Game Boy Advance en vrai. Voilà. C'est l'un des seuls jeux que j'ai pris comme ça sur mon téléphone. De manière un peu illégale. Mais bon. Voilà, quand c'est de l'émulation sur des jeux assez vieux comme ça, on s'en fiche un petit peu. Bon, la DS c'est plus problématique par contre. Hein. Bon, même si les jeux DS sont plus trop en vente maintenant, hein, vous me direz. Voilà, j'avoue que je parle pas trop de Sonic 4, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce jeu-là. Ça le problème, hein, c'est un speedrun assez classique, hein, on fait bien les niveaux, voilà. Puis j'ai pas de souvenir de vraiment avoir des difficultés sur certains passages. Bon là je me suis un peu viandé. Mais... Ouais. Là c'est pas grave parce qu'en fait, voilà, même si je tombe et que je me fais toucher, je perds pas de temps parce que de toute manière faut attendre que la dynamite explose. Voilà. Explose le cube, donc bon, c'est pas dramatique quoi. Je perds pas grand chose. Voilà, par contre, un truc que je trouve pas mal dans ce Sonic, malgré le fait que voilà, Sonic, ils sont un peu mous du cul quand même, il avance pas très vite, hein. Bah, comparé aux épisodes Mega Drive. Bon alors, voilà, par contre, voilà, Sonic 1 sur, en Europe, voilà, il était mou du cul aussi, hein. Il avançait pas. C'est plutôt à partir de Sonic 2 que chez nous Sonic était vraiment rapide. Parce qu'il y a vu, il y a Speed Dash et ça change tout. Alors que la version US de Sonic 1 sur Mega Drive était rapide par contre. Parce qu'on était en 60 Hz et ça c'est. Entre le 60 Hz et 50 Hz, ça n'avait rien à voir au niveau de Sonic 1 en tout cas surtout. Enfin limite, c'était deux fois plus lent chez nous quoi. Incroyable. Ultra lent le jeu. Ça veut pas dire que c'était un mauvais jeu. Mais il était vraiment moins bon sur notre version, hein, vraiment. Alors là. Même s'il y en a qui veulent être vraiment. Comment dire. S'ils jouent sur émulateur, voilà, ils veulent vraiment avoir la version européenne parce qu'ils veulent avoir la version de l'époque, tout ça, la nostalgie, entre guillemets, tu vois. Bah, franchement, c'est plus intéressant quand même d'avoir la version US. Hein. Sur émulateur, de toute façon, on s'en fout. Hein. Encore si c'est pour la collection, d'avoir un petit truc pâle écrit dessus, tu vois. Voilà. Pour les collectionneurs, c'est plutôt sympa. Mais après, à jouer, bon, si vous n'êtes pas trop collectionneur comme moi, hein... bon, j'avoue que je collectionne des petits trucs, hein, mais des figurines, mais... vite fait, hein, c'est les amiibo. Où j'aime bien aussi avoir gardé mes boîtiers, même si je sais qu'il y a pas mal de jeux auxquels je pense pas y retoucher, voilà. Et bon, ça fait joli. Et bon, j'avoue que ce serait compliqué, quoi, que pour moi... d'acheter, par exemple, si j'achetais un nouveau jeu, voilà, un nouveau jeu NES,
J'avais le choix entre la version PAL et NTSC, parce que de toute façon ma NES maintenant elle est dézonée, donc on s'en fout, elle peut lire des jeux NTSC. Moi je prendrais la version NTSC. Ça y est, pas de problème. On va prendre la version de l'époque chez nous. Version PAL dégueulasse. Qui rame et qui va à 2 à l'heure. Enfin, surtout Golden Goblin, purée, quelle catastrophe ce jeu en PAL. Nom de Zeus, il rame tout le temps. DuckTales aussi, il rame pas mal. Ben, ça reste jouable quand même, DuckTales. Ouais, par contre, ouais. Y a des drops à chaque fois, là. On se croirait sur PC. Ah, le PC et les drops. Ah, ça c'est le point faible des PC, par contre, c'est... On n'est pas à l'abri des drops. Ah, t'as beau avoir le meilleur processeur et la meilleure carte graphique du monde. Ça... Il y a toujours un moment où ça va merder. Donc dans les speedruns, c'est un peu saoulant. Surtout avec Windows 10, mais bon. Après, voilà. Faut... Pour ça, il faut optimiser Windows 10. Et donc, moi, j'ai désactivé presque tout. Hein. Il reste que l'antivirus. Qu'on ne peut pas désactiver, je sais pas pourquoi. Mais... Après. Il désactive tout seul quand je mets l'anti-malware. Mais... Malware bit là, anti-malware bit. Ah, j'avais Avast avant, mais bon, Avast, maintenant c'est devenu de la merde. Il était bien avant, mais là, il prend trop de ressources pour rien. Il fait de la pub non-stop. Horrible. Et puis en plus de ça, il t'installe tout seul un logiciel. What? T'installe tout seul un logiciel pour naviguer sur internet là, certifié Avast. Fait tout ramer. Voilà, un vaste, moi c'est... Ça existe plus, pour moi. Et bref, voilà, on n'est jamais à l'abri des drops, hein. Malheureusement. Alors sur console, les drops... Il y en a presque jamais. Ça dépend quel jeu, mais franchement, les drops sur console... à part si c'est un jeu open world comme The Witcher 3, mais sinon, un jeu de plateforme, t'as jamais de drop. Hein. C'est hyper bien optimisé. Ouais, donc là, j'ai fait une technique assez spéciale pour avoir le boss là au début du premier coup. Je me suis mis complètement sur la droite, vous l'avez vu, pour pouvoir être surélevé par le pilier, mais attention à pas être écrasé par le plafond après. C'est assez dangereux, c'est un double tranchant ça. D'un côté, on peut gagner du temps, mais on prend un assez gros risque. Voilà, c'est pour au moins faire un hit de plus et gagner pas mal de temps, gagner au moins 10 secondes hein, quasiment. Pour pas faire une phase de plus avec Dr. Eggman. Donc là c'est fait exprès que je me suis fait toucher par la sauterelle, là, l'espèce de sauterelle, la mandibule, je sais pas trop quoi. Là. La mangue plutôt, ça doit être ça. Parce qu'en fait dans ce jeu là, faut savoir que quand on se place sur la gauche, on est projeté par la droite, et quand on se place sur la droite, on est projeté par la gauche, quand on est touché. Donc voilà, moi je voulais être projeté par la droite, donc je me suis mis au dernier moment à gauche avant de me faire toucher. Enfin, j'ai placé Sonic à gauche. Donc comme ça, entre guillemets, j'ai pu avoir mon take damage. On va dire boost un petit peu, parce que bon, ça a mis sur le côté. Et comme ça, j'ai pas dû prendre le bumper qui était sur la gauche. Qui était, j'avoue, pas très bien placé, et on perd du temps à le prendre, quoi. Bon, voilà, après, c'est un peu la seule technique que... Bon, là, c'est un fail, par contre, forcément. Ah, faut savoir qu'il y a certaines fumées qui nous projettent plus haut que d'autres. Ça, faut faire attention. C'est souvent les fumées du milieu, ça. Quand il y en a trois, c'est souvent la fumée du milieu. Voilà, ce niveau est pas mal, par contre. Hein. Le level design, je le trouve quand même pas mal. Bon, c'est pas au plus du niveau d'un Sonic de l'époque. Voilà.
Le speed dash, faut savoir que le speed dash est... on a l'impression qu'il est bridé parce qu'il peut pas aller à une certaine vitesse. Vous savez, c'est comme si Sonic de l'époque, c'était un peu une Lamborghini là qui pouvait rouler jusqu'à je sais pas, ouais, 300 km/h. Et puis le Sonic actuel, c'est comme si c'était une Peugeot 308 électrique qui ne peut rouler pas au-dessus, qui ne peut pas rouler au-dessus de 150 km/h. Enfin, parce qu'il me semble que c'est les 308 qui sont bridés à 150 km/h. Bah, c'était une erreur. Peut-être que c'est peut-être plutôt Volkswagen. Enfin, je sais plus. Peugeot ou Volkswagen. Ah, je pense que c'est Peugeot, je pense. Hein. C'est bien français, ça, de brider une voiture. Ah bon. Après, je dirais, à quoi ça sert de rouler au-dessus de 130, ça, c'est vrai. Moi, je roule jamais au-dessus de 130. Hein. Bon, c'est arrivé, j'avoue, c'est arrivé une fois avec ma petite C3 à l'époque. Ah, 150, attention. Sur les 4 voies. Ouais, bon, j'ai fait ça pendant 5 secondes, c'était un test. Jusqu'où ça peut aller une C3 à 60 chevaux. Ouais. Ah, et maintenant j'ai une Yaris à 100 chevaux et... et j'ai jamais dépassé les 130. Never. Je respecte à donf, moi, attention. Ah bah, et... ah non, les flics qui te sortent des drones qui te flashent là. Ah, ça va loin. Hein. Impossible de prévoir ce truc là. Ah voilà. C'était un peu ma life sur la route. Avant d'aller bosser. Voilà, il y a quand même des bonnes idées hein, dans ce Sonic. Dans le level design là. Même si c'est vrai que c'est un peu pompé quand même sur Sonic 2. Hein. Quand on court sur les engrenages, bon, ça fait penser à Sonic 2 forcément. Quand on monte sur des grands engrenages aussi pareil. Un peu comme ça. Bon, ça va pas sur le côté par contre, mais ça monte vers le haut. Enfin, c'est pas des engrenages, c'est des vis plutôt. On est sur une espèce de tour de vis géant là et on se retrouve sur une vis, hop, et on monte. Enfin, c'est pas tour de vis. Enfin, vous m'avez complet. Voilà, on est sur plutôt. Voilà, c'est un clou. Un clou avec une vis. Bon, pour plus d'explications, regardez Sonic 2, le speedrun de Oliver Plasma. Voilà. J'essaierai d'y penser, de le mettre le lien dans la description, parce que souvent j'oublie quand j'en parle dans la vidéo. Waouh, je mettrai juste la playlist des... la playlist des speedruns, ce sera plus simple. Ouais, mais niveau speedrun, j'ai beaucoup de projets. Mais il va pas y avoir beaucoup de vidéos de speedrun. Hein. Parce qu'il faut savoir quand même qu'un speedrun, ça se fait pas du jour au lendemain forcément. Hein. Bon, je vais pas être obvious en disant ça, mais c'est logique. Et puis voilà, le fait que moi je vis pas de YouTube, hein. Moi j'ai un boulot à côté, donc rien que ça déjà, pour speedrunner c'est plus compliqué. Boulot, plus sortir entre poteaux, plus enfin voilà. Ouais, et puis pour l'instant, il faut être à donf sur Super Love Saga. Toujours. Ouais, mais j'avoue que je parle beaucoup de ce qu'il va y avoir à l'avenir sur la chaîne, surtout quand c'est sur du speedrun, parce que voilà, le speedrun, le problème c'est que... J'avoue que te dire pendant 40 minutes à parler que du jeu, que du speedrun, c'est compliqué. À part DuckTales. DuckTales, voilà, j'ai tenu presque tout le jeu, il n'y a que au générique que j'ai parlé d'autre chose. Principalement. Parce que DuckTales, ouais, il y avait vraiment des choses à dire. C'est le jeu de mon enfance. Voilà, c'est un peu comme... J'envisage de faire un vidéo test sur Far Cry 4. Le problème, c'est que j'avais presque tout dit sur Far Cry 3 à l'époque.
Mais bon, j'ai fait des magnifiques séquences de Far Cry 4. Alors, par contre, la vidéo sera en 30 images par seconde parce que c'était en 2015, voilà. La même période que ce Sonic 4, en fait, finalement. Donc j'avais ma vieille 650 Ti. Et la 650 Ti ne pouvait pas faire tourner le jeu en 60 FPS, voilà. Enfin, sauf si on mettait du vieux 720p, mais moi, pour que ce soit plus agréable pour vous, voilà. 1080p, 30 FPS, c'est peut-être mieux. J'avoue, je jouais plus en 1080p, 30 FPS que 720p, 60. Avant. Puis voilà. Et donc, ouais, mais même si voilà, la qualité elle est moins bien que ce que je pourrais faire maintenant, forcément, hein, si je fais maintenant avec Far Cry 4, la qualité elle est nickel. Enfin bon, ça sera compressé par YouTube, de toute façon. Ah, méchant YouTube. Mais bref, ça sera quand même mieux. Mais bon, je suis tellement décarcassé, je suis tellement embêté à prendre plusieurs séquences et tout pour faire un vidéo test, essayer de faire des vidéos tests d'exception, voilà, pour Far Cry 4. Que voilà. J'ai au moins une heure, je crois que j'ai 1h10 de capture. Alors peut-être que je couperai des trucs, mais. Voilà, parce que ce sera un vidéo test. Il ne sera pas en direct, voilà. Je commenterai par-dessus mon gameplay. Mais bon, bref, je pense que je parlerai pas que de Far Cry 4 à ce moment-là. Peut-être que j'envisagerai de le faire. Peut-être que ce sera la vidéo Fichtre 7 ans. Parce que Fichtre 7 ans, on y est quasiment presque, hein, dans quelques mois. Ah, déjà, passe vite. Hein. Donc peut-être que voilà, il y aura du Far Cry en fond, comme j'avais fait The Witcher 3 en fond avant. Ah, c'est un open world en fond, je trouve que ça rend plutôt bien. Peut-être que ça sera du Super Smash Bros aussi, on sait jamais. D'ailleurs, il faudrait que j'y pense, il faudrait que je fasse le test de Super Smash Bros sur Wii U quand même. Ça, j'ai fait celui de la GameCube et de la Wii, et j'ai pas fait celui sur Wii U. Alors que je l'ai... Ah bah je l'ai explosé, ce jeu-là. Ah, je l'ai torché. Alors maintenant, j'y joue plus du tout, j'y joue à la version Switch qui est bien mieux. Ah, qui est plus speed, plus à l'ancienne, à la Melee style, et moi je préfère. Enfin, c'est un mélange entre Wii U et Melee. Le parfait mélange, quoi. Et voilà, la musique que vous entendez là en fond, elle est vraiment horrible. C'est la musique des boss. Et le problème, c'est que là, on va l'entendre pendant très longtemps. Parce que là, en fait, on est au niveau final, voilà. On est à la fin du jeu, là. Déjà. 15 euros. Oh oui. Ça fait mal. Bref. On est à la fin du jeu. Et donc, qui dit à la fin du jeu, dit forcément boss rush. Voilà. Un petit boss rush où voilà. Il y a les différents boss qu'on a rencontrés pendant le jeu. À l'affilée. Et à la fin on aura le True Last Boss. Qui est une pâle copie du boss. Enfin, un peu amélioré, mais bon. Vite fait. Du boss Sonic 2. Du boss final. Bah, il est un peu plus hard que celui dans Sonic 2, par contre. Mais... Enfin, il est d'un côté, il est plus hard, mais d'un côté, il est quand même plus simple, parce que... comment dire? Il est plus hard si on a zéro anneau. Mais bon, vu que là, voilà, on a le droit à des anneaux dans ce Sonic-là. Alors que dans la fin de Sonic 2, on n'a pas d'anneau. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur. En plus, c'est sur Metal Sonic, plus après, on a Dr. Eggman. Deux boss quoi à la fin et on doit pas se faire toucher par ces deux boss. Mais j'avoue que le boss final était assez mal géré, était très mal fait au niveau de la hitbox dans Sonic 2.
Et c'est pareil dans ce Sonic 4, hein. La hitbox est assez mal gérée aussi pour ce boss là. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont ces gars avec avec le robot Dr. Eggman là, le robot géant. Bah lui c'est peut-être le seul boss qui est vraiment original du jeu, mais il est pas terrible quand même. Assez classique, ça reste assez classique. Mais bon après, les Sonic 2D ont jamais eu des boss de fou, hein. Contrairement au Sonic 3D par contre, là j'avoue que... On fait que de dire, ouais, Sonic 3D c'est moins bien, mais les boss, ils explosaient les Sonic 2D. Hein. Ils étaient vraiment recherchés souvent les boss dans Sonic 3, dans les Sonic 3D. Que ça soit dans Sonic Unleashed, Sonic Generation, Sonic Colors. Bon, Sonic Colors, il y a eu très peu de boss par contre. Hein. Sauf, si je dis pas de bêtises, ouais, mais ils étaient pas mal par contre. Ou Sonic Adventures, ouais, les fameux Sonic Adventures. Voilà, alors, si, voilà, Adventures 1, il y avait quelques boss qui étaient un peu inutiles. C'était des mini-boss plus, hein, quand on était contre Knuckles par exemple. Et voilà, globalement, ils étaient sympas à battre quand même, à combattre quand même. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? Non, la hitbox elle est plutôt bien gérée en fait. Ah bah j'ai dit des bêtises, j'avais des mauvais souvenirs, mais non, en fait ça. Quand on peut le voir, j'arrive bien à le toucher sans qu'il me touche bizarrement avant. Alors que dans Sonic 2, quand on le fonce dans le bide là, et bah des fois on est touché, on sait pas pourquoi. Et vu qu'on a le droit qu'à une chance, c'est très dur. Et moi j'avoue que bon, j'ai à moitié triché, enfin je sais pas si c'est de la triche. Moi quand j'ai fini Sonic 2, sans save state, la première fois je l'ai fait avec des save state, moi, c'est bon. J'en avais marre. Bon après j'avais... Forcément vu que je le speedrun après... J'avais pas trop le droit au save state, hein. Moi si j'en avais fait, il me semble, dans le speedrun pour faire un truc vraiment parfait. J'avais fait une ou deux save states. Voilà. Je me laissais un peu trop de liberté quand même. Mais voilà, là, ce qu'on voit là, le boss, il est un peu plus dur que celui de Sonic 2, mais voilà, on a le droit à plusieurs chances car on a des anneaux. Et voilà, il a des nouvelles attaques, c'est plutôt sympa, mais c'est pas fou non plus. Hein. Et puis là, on voit bien qu'on peut pas le toucher quand il est électrisé. Donc c'est plutôt mieux, c'est mieux fait, quoi. Là. Enfin, quoique... De toute façon, il n'y avait pas de raison qu'il soit électrisé comme ça dans le 2, hein. Vu qu'on n'a pas cette phase-là. Enfin, qu'on n'avait pas cette phase-là. Ah, maintenant, il tire des petits missiles. Il est assez long à battre. Voilà. Excusez-moi sinon, parce que je suis un peu enrhumé, donc peut-être que je parle un peu bizarrement. J'avoue que... J'ai pas dit depuis tout à l'heure. Bon là il va mourir là. Ah toujours pas, c'est un sac à HP quand même. Ah bah si là c'est la fin. Ça c'est son attaque finale ça. Hop. J'aime bien la musique de la fin. Enfin le début. Quand ça part au début. Non, même la musique du boss final, par contre, elle est naze. Non, franchement, au niveau OST, à part le premier niveau, j'avoue que le premier niveau, il est vraiment, le thème est vraiment pas mal. Mais le reste, après, c'est très moyen. Bah, là d'ailleurs, c'est un remix du premier niveau. Comme quoi. Voilà, la meilleure musique qu'on entend à la fin aussi. Ah. Voilà, Sonic qui fait... Il nous dit qu'on a bien joué, à sa manière. Alors, en venant vers nous, comme si c'était de la 3D, attention. Moi, je porte des lunettes 3D Nvidia Vision, là. Ouais, parce que j'ai un écran, un nouvel écran que je me suis acheté.
Il est compatible 3D Nvidia Vision. Moi je me dis au début, oh c'est cool. Alors, j'ai des lunettes 3D à l'arrache là, bleu et rouge là, à 3€. Vas-y, je vais essayer de... Et puis ça marche pas. Voilà, et puis j'ai regardé, en fait faut des lunettes qui coûtent 200 balles. De chez Nvidia. Ah oui, c'est magnifique. Oh bah du coup, bah, ça attendra. Hein. Trop cher. Purée, ça coûte une console presque. Voilà. Ça coûte la moitié du prix de mon écran. De Zeus. Ça coûte aussi cher que des lunettes de vue. Ah, oh, c'est pas possible. Oh, déjà que des lunettes de vue, pour moi, c'est hors de prix. Putain, heureusement que j'ai pas des problèmes de vue, moi. Enfin, pour l'instant. Ah, si je joue trop à la nostalgie, tu vois, si je joue beaucoup à des jeunesses, avec une vieille télé cathodique, ah, mes yeux, ils vont pas vraiment faire longtemps, ils vont pas vraiment faire long feu. J'ai du mal à parler, c'est la fin de la vidéo, donc j'ai du mal à parler. Oh voilà, il reste qu'une minute trente, là. Voilà, moi je trouve ça sympa qu'ils mettent, qu'ils font un medley des différentes musiques ou à la fin, moi j'aime bien. Ou alors il faut que ça soit une musique très réussie à la fin, comme celle de Bluestain. Ah peu, j'ai du mal à chaque fois à le lire lui. Bluestain. Yes. Bluestain. Curse of the Moon. J'adore le thème de fin de Bluestain et Curse of the Moon. Là. Ça fait au début. Comme ça, on est à fond. Musique assez entraînante et épique à la fois. Et puis je trouve que ça. Voilà, le thème qu'on a dans Bluestain à la fin, il est à la fois entraînant et puis aussi ça fait musique un peu. Comment dire. Comme si on avait voyagé, qu'on a fait tous ces niveaux. Qu'on a tout fini d'une manière triomphale, voilà. Ça fait un peu ça, quoi, la musique, c'est ça. Il faut absolument que c'est une musique qui soit emblématique à la fin. Et qui soit un petit peu mélancolique, peut-être, pour donner un truc genre t'as fini le jeu, tout est fini. Bien joué. À la prochaine. Voilà, sur ce, voilà, Sonic qui se casse. Sur ce, je vous dis. À leur voyure pour de nouveaux speedruns. Prochain speedrun, hein. Bluestain Curse of the Moon. Hein. Ça, c'est certifié. Là, j'ai un peu avancé. Je me débrouille beaucoup mieux dans le stage 1. Hein. C'est beaucoup mieux que la prise que j'ai faite, que j'ai filmée pour vous il y a quelques temps. Bon, y avait quand même quelques erreurs. Hein. Et là, à présent, j'arrive à le faire sans me faire toucher, sans faire d'erreur, dans le stage 1, avec le gameplay classique, hein, le gameplay classique, pas le gameplay où le personnage court. Mais bon. Et puis, je compterais faire le gameplay classique avec en enrôlant aussi les différents personnages. Voilà, donc classique. Hein. Et pourquoi pas, à l'avenir, faire des speedruns différents sur ce jeu-là. Parce qu'il y a tellement un replay value incroyable dans ce jeu. Enfin, sur ce, voilà, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures.